Allez, Tsounine, fais-toi plaisir. C'est ça, je mange avec mon petit frère. J'ai préparé un petit plat là. Fais attention, c'est un. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Ça pète, en plus c'est froid. On est en direct avec mes parents là. Pas que ça casse quelque chose. Oui. Tu arrives? On va prendre du Mighty, sinon ce coup, hein. On va le laisser tranquille. Attends, je vais essayer. Oh! Eh, mais attends, j'ai même pas eu le temps, coucou! Ah, je suis un expert maintenant, hein. D'accord. À qui vous savez qui m'a appris à comment déboucher les bouteilles. Ah ouais, je deviens un expert. Alors ça c'est quoi, Tsunen? Du coup ça c'est du cerdon demi-sec. J'ai pas encore goûté celui-là, mais il est très bon. Ah, celui-là il est un peu moins foncé. Allez, je vous laisse. Oui, ouais, tiramisu, fraises et spéculoos. Pas du tout, avec une confiture de fraises et de framboises. Ok, parfait. Comme ça? Oui. Ouais? Ah, comme ça? Oui. Il faut parler autre chose? Ça va être bon. Ouais, ce sera bon. C'est tout bon? Oui. Alors, ça nous fait 7 € et 30 centimes, s'il vous plaît. Ça va être faire 4? Pas de cas. Venir s'associer avec les racines des plantes afin de former des nodules, afin de fixer l'azote. L'azote présent dans l'air. C'est ainsi une bactérie fixatrice d'azote qui va venir transformer le N3, le N2 en molécules azotées assimilables par la plante. Ah, ils ont réouvert le paradis du fruit. Vous avez fermé un moment. Alors les amis, on est actuellement chez Zara. J'ai décidé d'habiller mon frère. Donc je lui ai choisi un ensemble parce que demain il y a son oral. Souhaitez les bonnes chances en commentaire juste en dessous. Voilà. Donnez-lui toute votre force. Je compte sur vous les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo aussi. De mettre en commentaire. Allez, allez mon frère. Je vais l'habiller pour demain parce qu'en fait il n'avait aucun vêtement. Et on est actuellement à Zara, un de mes magasins préférés ici. On va l'habiller puis on verra si ça va marcher. En fait, les amis, c'est là que je travaillais, ici, tout en haut, dernier étage, NJ. C'était mon travail.
feel uninvited. Left home. Dégradé au côté, me laisser un peu une longueur au-dessus. Ça marche. Dégradé comment? Non, pas blanc. Ça vaut numéro 4, 6, 5, non? Le plus grand possible. Home in West LA, I'm not excited. Waouh, t'es tout beau, Tsunin. Alors, ça passe comment? Magnifique, excellent. Alors, tu te sens beau? Ouais, en tout cas, je me sens plus léger. Ouais, ça enlève la grosse touffe et tout. Hein. C'est ça. Non, mais personnellement, j'aime bien. T'as vu, en plus, il coupe bien, le gars. Hein. Ouais. Et en plus, il était carrément sympa. Il vient d'Afghanistan, le gars. Il nous a raconté sa vie au pays. Il va bientôt retourner, d'ailleurs. Dans une semaine, il retourne en Afghanistan. On est actuellement à Perach. Je sais pas si vous voyez. En fait, il y a la gare juste là. La gare de Perach, et là on va aller... où on va aller? Ah ben il est midi, il faut aller manger, non? On va aller manger! C'est bien d'aller manger vers Bellecour ou... Ah oui, Bellecour! Ah non, mais c'est l'endroit où je voulais aller manger, mais pas tout seul. Ah ouais, mais ah c'est oui, quand même... on va à Bellecour, allez. Allez, on va à pied alors? C'est un peu loin, mais bon, ça va. Bon, il faut traverser tout la République. Ah ok, bon, ça fait combien de temps? Ouais. Voilà, fait, il fait beau aujourd'hui. Ah, il fait super beau. De toute façon, on va revenir ce week-end et tout. Non, franchement, le gars, il était super ouais. Cool, super gentil. Et puis voilà. Donc là, on va se balader. Les amis, en fait, ça marche pas là. Et comme j'ai pas envie de marcher, on va passer en dessous là où il y a les trams. C'est hyper dangereux parce qu'il y a les trams qui te frôlent et tout. Mais on va être prudent, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je vous explique, là, c'est hyper dangereux. Il y a les trams juste là. Et on va passer sous un pont. Et à chaque fois, je passais par là en vélo. Ah bon ouais. Mais là-bas, il y a un panneau qui dit interdit aux piétons. Ouais, ils ont dit c'est interdit aux piétons normalement. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. C'est bon, les amis, il y a cet escalator qui fonctionne. Donc, du coup, on a continué sur les escalators. Il faut qu'on ressorte de là. C'est là que je connais le bus pour le taekwondo là-bas, dans le 5e. T'imagines, je venais là pour aller là-bas. Et puis, attends, vous voyez, ça sent le subway. Moi, c'était le bus là-bas, à la 5e. Là, on est dans la gare de Perach. Elle est énorme, cette gare. C'est trop beau. Et là, c'était notre ancien hôtel ici, Companil. On était tous dedans. Voilà, les amis, on est actuellement sur la route, la rue. C'est quoi cette rue, en fait? C'est une grande rue qui va de Péra jusqu'à Bellecour. Ah non, ça là. Jusqu'à la place Carnot. En fait, elle est énorme. Ça ressemble un peu à Sainte-Catherine, mais elle est plus espacée. Non, parce que tu vois, Sainte-Catherine, tout est serré, condensé et tout, à Bordeaux. Et ici, j'ai l'impression de respirer. C'est un peu plus, mon Dieu. Enfin, vous me comprenez, élargi, un truc comme ça. Attends, on m'appelle. Allô? Oui, bonjour. Oh,
Là-bas, c'est Fourvière. Il y a mon école juste en dessous. Là, l'école. Ouais, l'école est juste là en dessous. Et ça, c'est une énorme place, une magnifique place avec de magnifiques bâtiments. Bienvenue à Lyon. Ah, c'est là la rue Mercière. Bon appétit, Sonine. Merci, bon appétit. Alors, ça, c'est une salade paysanne. Et là, c'est une salade César. Lyonnaise. Ah oui, salade lyonnaise avec un verre de Côte du Rhône. Santé, les amis. Santé à vous. Il est excellent ce vin-là. C'est trop bon. On est dans un bouchon lyonnais pour tester les spécialités de Lyon. C'est très, 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 très spécial. Mais bon, on va tester tous ensemble. Alors, voici une andouillette accompagnée par son petit riz blanc et un joli petit gratin dauphinois. L'andouillette, c'est une spécialité lyonnaise. Hein. Une spécialité lyonnaise, parce qu'on est à Lyon, du coup on mange lyonnais. Et donc moi j'ai pris un saucisson avec des pommes de terre, sauce au vin. Donc on va tester tout ça et puis... Et puis bon appétit. Alors Tsunin, tu vas goûter l'andouillette. Du coup, goûtant l'andouillette. Hein. C'est la première fois que tu manges en plus. Ouais, ben, c'est la première fois que je mange des plats lyonnais aussi. Il est bon? Il est bon. Teste un peu avec le vin, tu vas voir. Ça passe super bien. On fait tester au petit frère du vin et de la bouffe lyonnaise. Excellent. C'est top, hein? Au début, j'étais très réticent, mais finalement... Ouais, parce qu'en fait, l'andouillette est assez forte en goût. Là, ça va, je trouve. C'est ça l'andouillette, les amis, avec des saucissons. Oh là là, regardez-moi ça, les amis. Ouais, ça c'est des brioches à la praline, c'est une spécialité lyonnaise, c'est juste excellent. Mais ils sont énormes. Coucou à Mister Joe. Oui. Coucou, merci. Regarde ça. Ouais, moi ça j'aime bien. Moi. Bon, ça, ça m'a laissé. Du fromage. J'aime bien les twisties. Moi. Santé, magnifique, hein, c'est magnifique. Santé. Le John, c'est pour toi celle-là. Merci. J'ai hâte aussi de rentrer par les bois avec le ça pouvait être repoussé d'une journée, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. En plus, le week-end.
Bon les amis, on vient tout juste de rentrer à la maison. Il est actuellement... En fait, je sais pas lire les heures comme ça. Ça craint. Maintenant, quand j'étais petit, je savais lire. Mais après, quand j'ai grandi, bah, du coup, j'avais plus des montres comme ça. Il est actuellement... enfin, dites-moi en commentaire si vous savez lire. 8h ou 9h, entre les deux. Bref, il s'est passé un truc de ouf. On devait aller à la gare. Et arrivé à la gare, on doit prendre le bus pour venir jusqu'à... ici, je sais plus c'est quoi le nom, bref. Voilà, on devait prendre le bus qui coûte 2 €, ça coûte pas cher. Et en fait, on nous a posé un lapin, c'est-à-dire que le bus, il est pas venu. On a attendu genre 1 heure et toujours pas de bus en vue. Du coup, on commençait à paniquer, on se disait, mais comment on va faire avec mon petit frère? On connaît personne et tout. Du coup, on a appelé un taxi. Le premier taxi, il répondait qu'ils étaient en vacances. Et le deuxième, ils ont répondu, donc ça va. C'était plutôt cool, ça coûtait un peu cher, on a payé 30 €. Donc voilà, sacrée journée. En plus, ça nous a fait plaisir de boire un petit verre à Lyon avec une amie. En fait, c'est l'ami de Mr. John, super rencontre. Merci Mr. John de m'avoir fait rencontrer ton ami, c'était super cool. On va sûrement se revoir d'ailleurs. Alors on était avec Anne-Marie. D'ailleurs Anne-Marie, si jamais tu regardes ce vlog, on te fait de gros bisous. Merci de nous avoir découvert autrement Lyon, surtout les Bretons, c'était quand même cool. Donc là on vient tout juste de rentrer. Ah oui, on a fait beaucoup d'achats. Je pense que je vais faire le unboxing dans une autre vidéo. Enfin, si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'on a acheté, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker cette vidéo aussi, comme ça on fera une vidéo spéciale unboxing de tout ce que j'ai acheté durant mon séjour ici en France. On a pris aussi également des brioches à la praline qui sont super bons. C'est vraiment une spécialité lyonnaise. On va manger ça ce soir. J'en ai acheté deux, un pour Vincent, son patron, et un pour sa maman également. Et on a pris un pour nous. Et puis le reste, on va vous faire un unboxing. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous voulez. Sinon, je pense qu'on va finir la vidéo là. Yep, ça marche. Ouais, parce que là, du coup, il va aller réviser. Ouais. Ah oui, demain c'est son oral, donc envoyez toutes vos ondes positives dans les commentaires, voilà, dites-lui bon courage, mais likez cette vidéo à fond, partagez cette vidéo, voilà, ça va lui faire super plaisir, donc demain c'est son oral et après de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Teddy Jancté et lui c'est... Teng Thierry. Voilà, Teng Thierry, allez le suivre aussi également. Sur ce, on va finir cette vidéo là maintenant. Là, je fais de très gros bisous, prenez soin de vous et il me reste plus qu'à vous dire Maruru, Nana et à bientôt. Ouh. All around the globe, trying to protect your soul.